والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. L'auteur a dit, l'auteur du livre As-Sirat al-Mustaqim à la page 37, c'est-à-dire la traduction en français, il arrive qu'un saint commette un grand péché peu avant sa mort, mais sans repentir juste avant de rendre l'âme, comme Talha ibn Ubaydillah. Il dit que les saints ne sont pas immunisés contre, comme les prophètes. Les prophètes sont immunisés contre la mécréance avant et après la prophétie, contre les grands péchés avant et après, contre les petits péchés qui reflètent une bassesse de caractère avant et après. Alors les saints, ce n'est pas comme les prophètes. Ils peuvent tomber dans un péché, mais ils se repentent avant de trouver la mort. C'est ce qui est arrivé au compagnon Talha ibn Ubaydillah, qui est parmi les 10 que le prophète leur a annoncé le paradis. Zubayr ibn al-Awam aussi, parce que ces deux compagnons ont été dans l'armée qui a combattu Ali ibn Abi Talib. Maintenant, avant de déclencher la guerre, Ali ibn Abi Talib a appelé Zubayr et lui a rappelé le hadith que le prophète والسلام, a dit que tu vas le combattre tout en étant injuste. Alors Zubayr a dit j'ai oublié et il a quitté le champ de bataille. Il a été suivi par quelqu'un qui s'appelait Ibn Jurmouz. Et pendant que Zubayr était en train de prier, celui-là, il l'a tué par traîtrise parce qu'il a montré qu'il va l'accompagner. Et une fois que Zubayr était dans la prière, il l'a tué. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Et Sayyidina Ali n'a pas voulu le voir. Il a dit annoncez-lui à cet homme l'enfer. Bashiru qatil ibn Safi ibn Nar. Annoncez l'enfer à celui qui tue le fils de Safiya, c'est-à-dire Zubayr. Talha, encore Sayyidina Ali lui a parlé et lui a dit que tu te rappelles, le prophète a dit Man kuntu mawla fa Ali mawla, Allahumma wali man wala wa adi man ada. Alors encore Talha a voulu quitter la séance, la champ de bataille, et Marwan ibn al-Hakam, lorsqu'il a vu ça, il a tiré par une flèche. Et Marwan al-Hakam était dans l'armée qui est opposée à Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Mais lui, il considère, Marwan, que Talha, il est parmi les compagnons qui reprochaient Uthman, radiyallahu anhu, le troisième calife. Uthman, c'est un cousin, c'est de la famille de Marwan ibn al-Hakam. Alors, lorsque Talha a voulu quitter le champ de bataille, Marwan l'a tiré par une flèche qui a touché son genou. Et avant qu'il meure, Talha, il a vu quelqu'un de l'armée de Sayyidina Ali. Il lui a dit, donne-moi ta main, je te donne le pacte pour Ali ibn Abi Talib. Et Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, Allahu Akbar. Allah n'a pas voulu que Talha soit mort avant que le pacte d'allégeance en ma faveur soit fait par lui. Voilà, c'est ce qui est dit là. J'ai essayé de dire ce qui est dans cette paragraphe. Il a dit, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari rapporte que le pardon leur est accordé à Talha et à Zubayr parce qu'ils se sont repentis avant de mourir. Alors le grand imam Abu al-Hassan al-Ash'ari a dit que ces deux compagnons auront le pardon parce qu'Allah les a guidés à se repentir avant la mort. Et on a déjà dit que le prophète a annoncé à 10 personnes le paradis et il y avait dedans Talha et Zubayr. Dans une seule séance, le prophète a annoncé le paradis à 10 personnes. C'est pour cela qu'on les nomme Al-Ashara Al-Mubashsharina Bil-Jannah, les 10 à qui le prophète leur a annoncé le paradis. Mais il y en a d'autres que le prophète leur a annoncé à part le paradis, ceux qui ont participé dans la bataille de Badr,
Le prophète leur a annoncé le paradis pour eux. Encore ceux qui ont participé dans la bataille de Uhud, ceux qui ont donné le pacte sous l'arbre, Bay'at al-Ridwan, encore le prophète leur a annoncé le paradis. Alors il a dit l'auteur, car le prophète messager sallallahu alayhi wa sallam leur a pris la bonne nouvelle qu'ils seront les hôtes du paradis. Avec 8 autres personnes dans une même assemblée, Abu Bakr Siddiq, Omar, Uthman, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, Abu Ubaid ibn al-Jarrah. Et c'est là une preuve de la part de l'imam al-Ash'ari confirmant leur péché lorsqu'il a dit que le pardon leur est accordé. Le pardon leur est accordé, ça veut dire il a dit l'Ash'ari qu'ils ont désobéi au début, mais le pardon leur est accordé, c'est-à-dire puisque Allah Ta'ala les a guidés à se repentir. C'est comme il a dit l'Ash'ari qu'ils ont désobéi au début et par la suite ils se sont repentis. Il dit la même chose à propos de Aïcha radiallahu anha, à qui le paradis fut promis. Encore, Aïcha parmi celles qui sont, qu'on leur a annoncé le paradis, c'est l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Et elle, le fait qu'elle a été dans l'armée qui est opposée à Sayyidina Ali, mais elle n'a pas été là-bas pour combattre Ali ibn Abi Talib. Elle est venue pour la conciliation, mais malgré ça, il ne devrait pas passer la nuit dans l'armée opposée au calife. C'est ça son péché. Mais après, elle s'est repentie. Elle pleurait. Elle s'est repentie. Qui regretta profondément sa présence auprès de la troupe qui se dressa contre Ali ibn Abi Talib. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam, une fois, il a dit à ses épouses, lequel parmi vous qui va être sur le chameau, qui est poilu, qui a les poils un peu longs, et que les chiens de la région, le Hawab, vont aboyer contre elle. Ayyukum, ayyukum, ayyukunna, ayyatukunna, sahibatu, al-jamal al-adbab, allati tambuhu alayha kilabu al-Hawab. À chaque fois qu'elle se rappelait, se marche vers Al-Basra, et son attitude envers Ali ibn Abi Talib, elle pleurait tellement que son voile s'en trouvait tout mouillé. C'est là également un hadith mutawatir. Que Aïcha a regretté, ça a été rapporté par un grand nombre. À propos des autres belligérants qui participèrent aux batailles de Al-Jamal et de Safin livrés avec Muawiyah contre Ali, l'imam al-Ash'ari dit l'absolution de ce péché est possible, que ceux qui ont combattu Ali, c'est possible qu'Allah pardonne à ces gens, c'est possible, c'est pas tant que la personne est morte en étant musulman, Allah pardonne moins que la mécréance à qui il veut. C'est pour cela qu'il a dit l'absolution de ce péché est possible, le pardon pour ces gens est possible. Comme l'a rapporté l'imam Abu Bakr ibn Furak, d'après Abu al-Hassan al-Ash'ari dans son livre intitulé Mujarradu Maqalat al-Ash'ari, c'est-à-dire il a mis les paroles de l'imam al-Ash'ari dans ce livre. Abu Bakr ibn Furak fut le disciple de Abu al-Hassan al-Bahili. Al-Bahili, c'est l'élève de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Que Dieu les agrée tous. C'était des grands imams. L'imam al-Ash'ari, c'est l'imam de l'Ash'aïra. Mais Abu al-Hassan al-Bahili, c'est parmi les grands élèves. Il y avait d'autres élèves de l'Ash'ari, mais al-Bahili, elle était parmi ses grands élèves. Et Ibn Furak, elle est parmi les grands élèves de al-Bahili. Encore, al-Bahili avait d'autres, comme l'imam al-Baqillani. L'imam al-Baqillani, parmi les élèves de al-Bahili, c'est un grand imam. C'est donc une ignorance flagrante que de croire que le saint sera à l'abri du péché, comme le pensent certains ignares. Le saint n'est pas un prophète. Le saint, il peut tomber dans un péché. Mais les saints, lorsqu'on dit qu'ils sont arrivés dans la sainteté, ne maintiennent pas le péché.
Et s'il meurt, il meurt dans un bon état après la repentance. Mais il n'est pas immunisé contre les grands péchés. Voilà, il n'est pas immunisé contre les grands péchés. Talha, Az-Zubayr et Aïcha, voici trois saints éminents, mais qui étaient tombés dans le péché. Mais après la repentance, on fait de dua en leur faveur et on dit « radiyallahu anhum ». Nous seulement on dit, on a dit ça, c'est pas pour dire « Aïcha a désobéi », non. Mais pour dire que ce qu'elle a eu, c'est un péché. Après, il s'est repenti. Voilà, et après la repentance, on demande à Allah Ta'ala de les élever en degré. Et on n'a pas le droit de faire comme Ar-Rawafid. Ils insultent Aïcha radiyallahu anha et ils disent des paroles graves. Ceux qui traitent Aïcha comme pervers ou ils lui approchent de la fornication, c'est un mécréant. L'imam des deux lieux saints, Mecca et Medina, l'imam al-Juwayni, on l'a nommé imam al-Haramayn. On l'a nommé l'imam al-Juwayni, imam al-Haramayn. Dit, les savants théologiens dont le fondement de la religion s'accordent unanimement sur le fait que quiconque prononce une expression entraînant la mécréance et prétend par la suite qu'il a fait une tawriya, un sens très éloigné de ce qui vient communément à l'esprit, est alors apostat et sa mécréance est sans équivoque. Yani, c'est lui qui dit une parole explicite dans la mécréance, puis par la suite il prétend qu'il a fait tawriya et il cite un sens qui est loin de la langue, que la langue n'acceptait pas. Alors on dit que celui-là a mécru réellement. Et le fait de prétendre qu'il a fait sous-entendu une autre chose ne le sauve pas. Yani, par exemple, quelqu'un, il insulte le messager de Dieu. Alors, s'il insulte le messager de Dieu, il a mécru. Après, il dit, oui, c'est les foudres. J'ai visé les foudres. Mais dans la langue arabe ou française, les foudres, on ne les nomme pas les messagers de Dieu. Tu vois? Ou, par exemple, il a insulté le messager de Dieu et après, il a dit, j'ai visé le scorpion. Mais le scorpion, il ne s'appelle pas dans la langue arabe ou française messager de Dieu. La yusamma Rasoul Allah. Alors celui-là qui a insulté le messager de Dieu, il a mécru, même s'il dit, mais moi j'ai voulu le scorpion. C'est une parole explicite dans la mécréance, ne le sauve pas de prétendre que lui il a visé autre chose, parce que ce mot n'a qu'un seul sens. Le mot qu'il a dit n'a qu'un seul sens. Si le mot il a deux significations, on vient de dire hier que si le mot il a deux sens, un sens qui vient à l'esprit que c'est de la mécréance, un autre sens où il n'y a pas de mécréance. Et la personne a dit, j'ai visé le deuxième sens. Alors on le juge musulman, on ne le déclare pas mécréant, parce qu'il a dit, j'ai pas voulu le sens qui vient à l'esprit, le sens apparent, mais plutôt l'autre sens. Et Dieu sait la réalité et la vérité. Allah Ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de celui-là. Nous, on tient compte de ce qu'il nous dit. Alors il a dit, l'auteur est alors apostat et sa mécréance est sans équivoque. Celui qui a insulté le messager de Dieu en prétendant qu'il a fait tawriya, qu'il a visé le foudre ou il a visé le scorpion. Ceci signifie que toute interprétation forcée serait vaine, comme le fait de dire que Dieu maudisse l'envoyé de Dieu et de vouloir justifier le mot l'envoyé par le foudre ou par le scorpion. Je viens de dire que cela n'a pas accepté et cette personne est considérée mécréante. De nombreux jurisconsultes comme Badr al-Rashid al-Hanafi, tout proche du 8e siècle de l'Hégire, ont dénombré plusieurs cas de figures qu'ils s'aident de connaître. Et il a fait un livre en donnant des exemples. C'est lui qui dit telle parole a mécru, c'est lui qui fait telle chose a mécru. Et c'est pas mal, les Hanafites, ils ont cité beaucoup d'exemples parce que souvent les juges étaient Hanafites et le juge a besoin plus de connaître et d'avoir des règles et des exemples
que telle parole est une parole de mécréance. C'est pour cela qu'ils ont fait des livres à ce sujet. Ils ont fait des livres à ce sujet, parce que s'il y a une plainte contre une personne qu'il a dit telle chose, ah voilà, et le juge, il a besoin de voir des exemples et des règles à ce sujet. Alors c'est bien de jeter un coup d'œil et de lire dans le livre de Badr al-Rashid al-Hanafi, car celui qui ne connaît pas le mal risque de le commettre. Celui qui ne connaît pas le mal risque de le commettre, risque de tomber dans le mal. Aussi, la prudence est-elle fortement requise? Ce qui est demandé de l'être humain, vraiment, de prendre toutes les précautions avant de parler, avant d'agir. Il a été confirmé qu'un compagnon disait en s'adressant à sa langue, « Ô langue, dis du bien, tu gagneras. Abstiens-toi de dire du mal, tu seras sauvé. Avant de le regretter, certes, j'ai entendu le prophète messager dire, sallallahu alayhi wa sallam, « Aksaru khataya ibn Adama min lisani. » Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La plupart des péchés de fils d'Adam provient de sa langue. » C'est pour cela le compagnon, il a adressé la parole à sa langue en disant « Parle du bien, tu gagneras. Abstiens du mal, tu te préserveras, tu te sauveras. » Parce que la plupart des péchés de fils d'Adam provient de sa langue. Ce hadith rapporté par Tabarani, avec une chaîne de transmission juste, sûre, de hadith de Abdullah ibn Mas'ud. C'est le compagnon Abdullah ibn Mas'ud qui a dit telle parole. Parmi ces péchés, il y a la mécréance et les grands péchés, entre autres. Yani, la langue, c'est vrai, des fois tu fais un petit péché, des fois tu fais des grands péchés. Mais encore, même la mécréance, beaucoup de la mécréance se réalise par la langue. Allah Ta'ala, يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. Ils jurent par Dieu qu'ils n'ont pas dit, mais si, ils ont dit la parole de mécréance et ils ont mécru, ils ont dit la parole de mécréance et ils ont mécru après qu'ils ont montré l'islam. Et dans le hadith, le prophète alayhi salat wa salam a dit, إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. Ce qui signifie, l'homme peut prononcer une parole qu'il ne juge nullement préjudiciable. Yani lui, il prononce une parole dans laquelle il ne voit aucun mal. Pour lui, il n'y a rien de danger. C'est une parole qu'on peut la dire sans problème. Mais à cause de laquelle il chutera en enfer à une distance plus loin que celle qui sépare l'Est de l'Ouest. Ça, c'est le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Que l'être humain peut prononcer une parole, pour lui, voilà, il n'y a rien de grave. C'est une parole, il ne voit pas qu'il y a un danger. Mais il chute à cause de cette parole dans Jahannam, à la distance qui est plus loin que la distance entre l'Est et l'Ouest. Le hadith rapporté par Tirmidhi avec une autre version, que l'être humain peut prononcer une parole dans laquelle ne voit pas du mal, ne le considère même pas un péché, ne la voit pas même pas un péché. Il chutera à cause d'elle dans Jahannam la distance de 70 ans, 70 ans. Et c'est la profondeur de Jahannam. Si la personne descend à 70 ans, c'est la profondeur de Jahannam. Ibn Hajar al-Asqalani a dit à ce sujet, il a dit, c'est une parole qui contient un blasphème, un mépris ou un dédain envers Dieu et ce qui est pareil, par exemple Dieu, les prophètes, les anges, l'islam. C'est une parole qui fait chuter la personne à la distance de 70 ans. C'est pour cela, méfiez-vous, il y a des gens qui disent parle, parle. Il n'y a pas de douane pour les paroles. C'est vrai, il n'y a pas de douane pour les paroles. Mais il y a l'ange Raqib et Atid. Il n'y a pas de douane, mais il y a l'ange Raqib et Atid. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Toute parole prononcée, c'est écrit par l'ange Raqib et Atid. Il n'y a pas de douane, tu ne payes pas des taxes pour les paroles, mais ces paroles sont écrites. Même les paroles indifférentes, qui ne contiennent pas de hasanat ni de péché, seront écrites au début
et par la suite, à un certain moment, après, ils seront effacés, et après, ceux qui restent confirmés, là où il y a les hasanat, là où il y a les péchés. Remarque importante, le jugement de celui qui commet une de ces sortes de mécréances est que ses bonnes actions ainsi que ses récompenses sont toutes annulées. Supposons une personne qui travaille, qui prie, qui jeûne, qui paie la zakat, qui lit le Coran, qui fait des actes de bien, après 20 ans, il a apostasié. Tout ce qu'il a fait pendant 20 ans sera annulé. Et Allah a dit, « Wa man yakfur bil imani faqad habita amalu. Wa man yakfur bil imani faqad habita amalu. » Tu t'imagines, toi, ça fait par exemple quelqu'un 30 ans, il est en train de travailler, il est en train de construire un bâtiment. Après 40 ans, le bâtiment ou son château a été bien construit. Et par la suite, il est venu, il a mis des bombes vers les piliers et d'un coup, tout est tombé. Ça fait 40 ans qu'il travaille, qu'il construit. Et après, des petites bombes qui sont mises à côté des piliers, des fondements de château et tout est tombé. Alors le travail de 40 ans s'est perdu. Alors là, ce n'est pas un château, c'est les œuvres du bien, la prière, il y a des grandes récompenses. Dans le jeûne, il y a des grandes récompenses. Alors c'est pour cela qu'il faut tenir bien la langue, il faut bien réfléchir avant de parler. Il faut peser la parole avant de parler, il ne faut pas se précipiter à parler. Il ne faut pas que tu sois parmi ceux qui rapportent beaucoup de plaisanteries, beaucoup de blagues, mais plutôt, il faut que tu... parle vraiment lorsque c'est nécessaire. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Le messager de Dieu a dit que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dit du bien, qu'il parle dans le bien, sinon qu'il garde le silence. Parce que si tu parles, c'est pour toi ou contre toi. Dans le hadith, قال عليه الصلاة والسلام إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك رواه ابن أبي الدنيا. Le hadith signifie tu es en sécurité tant que tu gardes le silence. Si tu parles, c'est pour toi ou contre toi. Si tu parles, c'est pour toi ou contre toi. Soit des bonnes choses et c'est des hasanats, soit c'est contre toi. Type, si tu dis j'ai parlé et j'ai pas fait des hasanats mais j'ai pas fait des péchés, mais c'est contre toi, dans le sens tu as perdu le temps. Tu as parlé des paroles inutiles, tu as perdu le temps. Et dans le temps, tu as pu dire Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alors, c'est pour cela qu'il faut faire très attention de réfléchir bien avant de parler. Prends le temps avant de parler. Lorsque quelqu'un il te pose une question dans la religion, même si tu connais la réponse, garde le silence un peu, réfléchis et réponds. Ne te précipite pas à répondre. Prends le temps et par la suite, réponds à la question. Et des fois, avant de répondre, cherche à bien comprendre la question. Parce que des fois, il y a des gens qui ne savent pas poser la question. Ils sont faibles dans la langue arabe. Ils ne maîtrisent pas. Alors encore, par pitié, lorsque quelqu'un te pose la question, assure-toi qu'est-ce qu'il veut? Cherche à bien comprendre la question avant de répondre. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas poser la question. Et tu lui réponds, des fois tu lui réponds à une autre chose. Et lui, il voulait autre chose. Et toi, tu as répondu à ce qu'il a dit. C'est pour cela qu'on a dit, l'apostasie annule toute la récompense qu'on a fait auparavant, celle du jeûne, de l'aumône, de pèlerinage, de la prière. Seul seront comptées les nouvelles bonnes actions. Et une fois qu'il revient à l'islam, les bonnes actions seront comptées. Et une fois qu'il revient à l'islam. Même on dit que celui qui est apostasié, il est revenu à l'islam, il a témoigné qu'il loue Dieu le fait que Allah lui a donné le temps et la vie de témoigner avant de mourir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, maintenant j'insulte Dieu, après je témoigne. Mais qui t'a dit tu vas rester vivant jusqu'à 2 minutes, jusqu'à 1 minute? Ils m'ont dit, il y avait quelqu'un qui a peur, très peur de l'eau. Il ne sait pas nager. Ses amis, quelqu'un il est venu derrière lui, il l'a poussé dans l'eau. Et lui, il ne sait pas nager. Il l'a jeté dans l'eau.
tu sais, avec là, il tapait à droite, à gauche, tout ça. Après, ils l'ont fait sortir de l'eau. Dès qu'il est sorti de l'eau, il a insulté la religion de l'autre, yani l'islam. Il lui a dit, il a un dîner. Et il a craché du sang et il est mort. Il a craché du sang et il est mort. Après ça, directement. Alors faites attention. Lorsque la personne s'énerve, il est en colère, il insulte le shaitan. Il n'insulte pas Dieu, il n'insulte pas l'islam, il insulte le shaitan. Mais pas Dieu Azzawajal. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله les actions de quiconque rejette la foi sont vaines والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصالحنا